le débat, mesdames et messieurs, spécial débat est de retour et aujourd'hui nous allons mettre l'accent sur l'économie et j'ai le réel plaisir de recevoir pour vous Janvier Bonina. Avec lui, nous allons décortiquer un peu cet aspect qu'on néglige de fois. C'est vrai que tout est politique, mais aujourd'hui nous mettons vraiment l'accent sur l'économie. Très heureuse d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup madame Paulette Kimoto et heureux d'être sur votre plateau pour échanger. À ce sujet-là. Alors, vraiment, l'économie, on n'en parle pas souvent, mais c'est vrai. On doit de temps en temps vraiment en parler et tenir compte. Le chef de l'État, lors de son investiture, avait promis de créer une classe moyenne. Tout à fait. Alors, nous devons d'abord commencer par définir des concepts. C'est quoi une classe moyenne? Mais voilà, la classe moyenne, ce n'est pas compliqué. C'est cette classe de ceux qui sont ni riches, ni vraiment pauvres. C'est cette classe qui bénéficie d'un revenu intermédiaire. Hein. Ce sont des gens qui sont capables de vivre décemment et dans, par rapport à leur revenu, ils sont capables de dégager de l'épargne. C'est cette classe-là qu'on appelle classe moyenne. Mais suivant les pays, les revenus varient. Voilà. Bon, chez nous ici, peu de travaux ont été développés par rapport à ces sujets. Les revenus de la classe moyenne n'est pas vraiment déterminé, mais le concept, pour ceux qui nous suivent, ils peuvent comprendre que si quelqu'un est capable par son revenu, hein, je parle d'un foyer, d'un ménage, si les gens sont capables de consommer et de dégager un surplus pour l'épargne, ceux-là peuvent déjà être considérés comme faisant partie de la classe moyenne. Est-ce que Bonina, a-t-on une classe moyenne réellement en République démocratique du Congo? Bon, au Congo, c'est compliqué parce que vous savez, déjà, quand on regarde la grille de salaire, c'est difficile de dire qu'on a une classe moyenne, même bien si identifié. Bien identifiée, même si de manière, comment dirais-je, ponctuelle ou en exergue, on peut identifier plus ou moins auprès de ceux qui sont des opérateurs économiques, ceux qui travaillent pour leur propre compte, parce que là, aussi, on ne sait pas trop combien gagnent ces entrepreneurs-là, parce que les données statistiques, comme toujours, sont moins existantes. Donc, par rapport à ça, la classe moyenne en RDC, c'est flou. Mais et ce qui est important, c'est la volonté du chef de l'État, comme il avait dit, comme l'a déclaré à plusieurs reprises, de vouloir mettre en place une classe moyenne. Et quand on parle d'une classe moyenne, dans notre cas, cela suppose déjà la création d'emplois. Il faut créer des emplois parce qu'un chômeur ne peut pas faire partie de la classe moyenne. Il faut créer des emplois et des emplois bien rémunérés, d'une part, et puis, d'un autre côté, permettre l'éclosion de entreprises, permettre aux Congolais d'être leurs propres entrepreneurs parce que quand ils sont entrepreneurs, ils sont aussi créateurs d'emplois pour les autres et c'est cet ensemble. Hein. Je n'ai pas oublié les fonctionnaires parce qu'ils ne sont pas des exclus. Et les fonctionnaires et ceux qui sont opérateurs économiques, mais aussi les salariés qui ont un revenu relativement décent, ce sont tous ceux-là qui font partie de la classe moyenne. Mais disons-le, nous sommes en RDC, c'est quand même les estimations les plus correctes. Nous parlons aujourd'hui de 100 millions d'habitants. 100 millions d'habitants, ce n'est pas peu. Ça peut faire peur, mais en même temps, il faut rassurer ceux qui nous suivent qu'un pays avec une forte population, c'est un atout. Parce qu'une grande population, c'est un marché potentiel. C'est un marché potentiel. C'est aux politiques de trouver la bonne intelligence pour faire en sorte que cette population soit un atout plutôt qu'une charge. Et en ce qui nous concerne, la population congolaise est relativement jeune, et donc population active, demandeuse d'emploi. Et, mais face à cela, je crois que l'État peine un peu à proposer quelque chose de consistant pour pouvoir résorber le chômage. Monsieur Bonina, Janvier Bonina, est-ce que les politiques congolaises constituent une classe moyenne? Députés, sénateurs, parce qu'aujourd'hui tout le monde se bat pour être politique parce que c'est le seul endroit où ils estiment, où nous estimons nous tous qu'il y a un peu de sous. Il ne faut pas se cacher la face, il ne faut pas se cacher la face. Est-ce que ces politiques aujourd'hui constituent-elles une classe moyenne? Oui, sur le plan économique, ils constituent une classe moyenne. Et c'est d'ailleurs, je pense que c'est une activité qui est devenue attractive. Tous les Congolais veulent aujourd'hui faire de la politique. Exactement. Parce que dans la sphère économique, en réalité, pas grand-chose n'est proposé. Donc il faudrait que l'État puisse prendre le taureau par les cornes,
proposer une vraie politique d'emploi. Je ne dis pas que rien n'est fait jusqu'ici, non. Mais on verra un peu dans les détails. Qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui pourrait être amélioré? Et comment agencer les idées pour arriver à quelque chose d'efficace? Parce que l'économie, c'est compliqué. L'État, pour agir sur l'emploi, dispose de beaucoup d'instruments. Je ne vais pas ici tous les énumérer, mais il y a la politique budgétaire, il y a la politique monétaire, il y a des indicateurs comme le PIB, la balance de paiement. Ce sont des instruments dont dispose l'État pour pouvoir agir. Et en ce qui nous concerne, je vais prendre un des aspects. Prenons la politique budgétaire. On nous dit, faites-moi une bonne politique et je ferai une bonne économie, c'est ce qu'on dit. Absolument. Est-ce qu'on a vraiment, on a vraiment ces bonnes politiques budgétaires, comme vous le dites? Est-ce qu'on a cette politique économique pour le pays où on navigue à vue? Parce que les gens ne comprennent pas. On commence d'abord par la politique de l'emploi. Vous avez dit, pour avoir cette classe moyenne, il faut une politique de l'emploi. Est-ce qu'on en a? Est-ce qu'on a commencé? Ou que doit-on faire, M. Bonina, Janvier Bonina, pour qu'on y arrive, pour qu'on y accède à cette politique de l'emploi qui soit un peu plus claire pour tous les Congolais? Alors, je vais expliquer ici un concept, c'est une très bonne question, parce que je reviens un peu en arrière. J'ai suivi il y a quelques années le président sortant Kabila, qui vantait les atouts de la politique de cinq chantiers et puis de la révolution de la modernité. Et ce n'était pas faux. En façade, c'était une bonne chose, mais il y avait quelques ratés. Mais malheureusement, avec le président Tshisekedi, nous sommes en train de renouveler presque la même chose avec, je dirais, les mêmes défaillances. Je m'explique. Parce que c'est technique. Il faudrait que ceux qui nous suivent comprennent de quoi il s'agit. Parce que la politique budgétaire a deux fonctions. D'un côté, l'objectif, c'est d'assurer la croissance économique. Par croissance, il y a création de la richesse et par ricochet, création d'emplois et investissement et ensuite. Mais aussi de l'autre côté, parce que le revers, c'est l'inflation, c'est-à-dire l'augmentation générale des prix. Mais avec une politique budgétaire, il faut à la fois assurer la croissance et maîtriser l'inflation. Alors, je prends un des aspects, la politique de relance par les grands travaux. Là, vous comprenez, on tombe de plein pied dans ce qui est proposé ici. Alors, la relance par les grands travaux, c'est quoi les schémas? Les schémas, c'est que l'État essaye, par la dépense publique, d'engager des grands travaux. Parce que ces travaux ont pour atout, d'un côté, d'améliorer les infrastructures et l'investissement dans le pays, mais avec ces grands travaux, l'État ne va pas les exécuter seul. Il fera appel à des entreprises. Et qu'on me suive bien là, c'est important. Ces entreprises-là, pour pouvoir répondre à la demande de l'État, elles seront obligées d'investir et d'embaucher. En investissant, ils achètent les outils de production. Là, il y a redistribution de moyens financiers. Par l'embauche, il y a aussi redistribution des revenus. Donc là, c'est la théorie classique. En investissant et en distribuant les revenus, tous ces gens-là finissent par consommer et la consommation, ça fait un effet boule de neige. Donc, les dépenses de l'État au départ vont provoquer l'investissement, les emplois et ainsi de suite. Il y a un effet multiplicateur qui a un effet positif. Mais il faut faire attention. Chez nous, ce qui se passe, on fait des grands travaux, mais ces grands travaux sont réalisés par des étrangers. Et ces étrangers-là, au lieu d'acheter les outils, les équipements ici sur place pour réaliser les grands travaux et engager la population, eux, ils importent des machines. Donc, en ce moment-là, les dépenses engagées par le gouvernement partent vers l'extérieur. Donc, il y a une érosion, il y a une fuite. Donc, à partir de là, les coefficients multiplicateurs n'ont plus d'effet. Donc, l'État dépense, on va peut-être avoir des routes, mais on n'aura pas l'effet escompté, d'une part. Donc, la population ne sera pas... La population n'en profite pas. Voilà. Parce que le circuit n'est pas bien réfléchi, n'est pas bien fermé. Et les revenus, regardez ici, dans la plupart des sociétés qui font des travaux, les Congolais, c'est l'employé de bas étage, là où les revenus sont faibles. L'expertise n'est vraiment pas congolaise. L'expertise n'est vraiment pas congolaise. Donc, nous devons corriger. C'est là que j'ai dit, l'État, c'est lui qui est le pourvoyeur des fondamentaux. Donc, parfois, nous devons agir pour le moyen et long terme. Déjà, nous voyons qu'à ce niveau-là, pour corriger, il faut mieux former l'homme congolais.
pour remplacer l'expertise qui vient de l'étranger. Et puis d'un autre côté... Est-ce que nous en manquons, M. Bonina? Est-ce que nous manquons des experts? Franchement, des fois, moi, je me pose la question avec tous les instituts que nous avons, tous les gens qui sont formés à l'extérieur, on se pose la question, est-ce que nous avons... On n'en manque pas. Pas. On n'en manque pas. Pas. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, il faut faire un peu comme l'ont fait les Chinois. Les Chinois, à un moment donné, quand ils ont pris la décision de vouloir décoller économiquement, ils ont commencé par répertorier leur potentiel en ressources humaines. Exactement. Même ceux de la diaspora. Donc, ceux qui étaient au niveau de la diaspora chinoise, ils savaient que nous devons aller dans tel cursus parce que l'État est demandeur. De nous. Mais nous on a l'impression que le Congolais fait n'importe quoi sans... Chez nous, il n'y a pas une politique. Il n'y a pas une politique pour aider les étudiants absolument, pour les canaliser, les pour qu'ils orienter. Reviennent au pays. Et justement, il n'y a pas cette politique parce qu'il n'y a pas d'objectif. Parce que pour pouvoir avoir une politique, il faut avoir un objectif et déterminer les stratégies, avoir un plan stratégique qui va vous amener à animer des politiques qui vont vous amener vers l'objectif prédéfini. Vous étiez dans la diaspora, M. Bonina. Oui. Qu'est-ce qu'il nous faut comme étude appropriée pour faire décoller la RDC? Puisqu'on nous dit souvent qu'il y a trop de juristes, qu'il y a trop de, il y a trop de journalistes, il y a trop... voilà. Mais on n'a pas vraiment des experts qui peuvent faire décoller les pays. On n'a pas, par exemple, des experts en pétrole, on n'a pas trop de géologues, on n'a pas des gens qui peuvent exploiter vraiment les richesses, la forêt, tout ce qu'on a, ben, on n'en a pas, les routes et tout, on n'a pas trop d'experts. Dans votre question, il y a déjà une partie de la réponse. La RDC, c'est ce pays qui regorge des minerais, mais où on ne trouve pas les grandes écoles de mines. Voilà, exactement, de pétrole, de forêt pétrole. Et tout ça. La RDC, c'est cette réserve qu'on appelait scandale géologique, mais où on n'investit pas dans la recherche et le développement. Exactement. C'est-à-dire, pour découvrir un minéraire, il faudrait que l'étranger vienne nous dire, voilà, il y a ça et ça. Nous-mêmes, nous n'avons pas investi suffisamment dans la recherche et le développement. C'est une défaillance. La RDC, c'est ce pays qui a 80 millions de mètres carrés de surface agricole, mais où il n'y a pas de grandes écoles agricole. Aujourd'hui, nous assistons à l'arrivée des semences améliorées et ainsi de suite. Mais en RDC, nous continuons à pratiquer l'agriculture avec la méthode de la vieille grand-mère. Donc, au niveau de la formation, il se pose un problème. Parce que, vous savez, maintenant, dans les concerts des nations, avec la mondialisation, les pays doivent être compétitifs, donc attractifs. Et parmi les atouts dont doit disposer un pays pour pouvoir prétendre à cette compétitivité, c'est la qualité de ses ressources humaines. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, vous êtes dans la ville de Kinshasa, vous voyez combien de motos circulent. C'est-à-dire, nous sommes un pays consommateur de motos. Mais est-ce que nos politiques pensent avoir, avec nos partenaires extérieurs, comment est-ce que nous pouvons ériger ici, ne serait-ce une usine d'assemblage pour les motos, parce que cette usine va donner du travail, ça va créer des emplois. Mais si nous pensons jusqu'ici importer les motos, comment voulez-vous que nous puissions créer des emplois dans ces secteurs-là? Je parle de motos, mais l'État lui-même est un mauvais exemple dans ce domaine. Vous savez, à l'époque de Matata Ponyo, il y a eu achat de bus. Les bus sont arrivés Transco. J'ai vu aussi, là avec l'actuel chef de l'État, Fatih Béton, la même erreur s'est reproduite. Parce que quand nous importons un bus entier, est-ce que nous comprenons que là, nous sommes en train de payer les ouvriers étrangers qui ont participé au montage de ce bus? Nous devons être capables de négocier avec les opérateurs étrangers pour qu'ils viennent ici sur place. Ça se fait ailleurs, maintenant en Afrique, on découvre partout. Voilà, nous devons être capables d'amener ces gens ici qui viennent... ériger leurs usines de montage ici sur place, c'est dans ces conditions que nous pouvons... Nous en avions à l'époque, moi je me rappelle, il y avait General Motors à l'époque, là il y a maintenant le marché de la liberté. Bien sûr, ça veut dire que c'est possible. On avait eu tout ça. Nous disposons d'un marché intérieur vaste et géographiquement nous avons une position stratégique avec tous ces pays voisins. Donc une entreprise qui vient investir au Congo profite du marché congolais mais aussi du marché de toute la sous-région. Pourvu que nos politiques sachent comment bien présenter les dossiers et qu'ils en soient conscients. Prenez les dossiers des 100 jours. Il y a eu, entre guillemets, je ne vais pas rentrer dans les dossiers judiciaires, mais on nous a parlé de préfabriqués. Préfabriqués, on veut construire des maisons au Congo, on va importer des préfabriqués. Comment voulez-vous que les maçons, les briquetiers
où l'aide-maçon congolais puisse avoir du travail. Si nous voulons construire, surtout quand c'est l'État, il s'agit d'un marché public. Il faut utiliser le potentiel congolais. Nous avons vu, là, avec l'immeuble intelligent fini, les gens étaient fiers de voir le mobilier venir d'ailleurs. Mais est-ce qu'au Congo, nous ne disposons pas des menuisiers? Moi, à la place des gouvernants, je ne ferai pas cette erreur-là. Soit nous appelons nos menuisiers, nous leur montrons ce dont nous avons besoin. S'ils sont capables de le produire, ok, nous finançons ce marché, parce qu'eux, à leur tour, ils vont embaucher les jeunes Congolais pour qu'eux aussi participent à la production, au processus, et s'assurent aussi le transfert du savoir. Mais si nous sommes fiers d'avoir importé le mobilier italien, demain, ça va se casser. On les remplace comment? Et on sera obligé de refaire la même chose. On sera obligé de refaire la même chose. Et dans ces conditions, il est difficile que nous puissions développer l'emploi localement. Pourtant, c'est un besoin parce que, à cette allure, avec cette allure, c'est le cas de le dire, 100 millions, une population de 100 millions avec plus de 70% des jeunes, devant nous, si les choses ne changent pas, c'est la fracture sociale. Si les choses ne changent pas, c'est l'insécurité. Déjà, à Kinshasa, nous le vivons. Et là-dessus aussi, sans vouloir être tendancieux, bon, le ministre de l'Intérieur qui est parti, je crois qu'il sait ce qu'il a laissé. Celui qui vient d'arriver, Peter Casal, je pense qu'il est conscient du chantier qui l'attend. Mais là où moi j'habite, en plein midi, on arrache les téléphones. En plein midi, on arrache les chaînettes. Où nous allons? Ça, c'est en 2023. Mais si les choses ne changent pas en 2025, en 2030, nous risquons d'assister à une situation pire que ça. Et à l'Est, nos compatriotes qui sont à l'Est, devant ces chômages grandissants, ils seront de plus en plus tentés d'aller dans les groupes d'approcher les groupes armés. Donc, vous voyez que le sujet que nous sommes en train de traiter là est vraiment capital. Hein. Ce n'est ni pour l'Union sacrée, ni contre, parce que l'économie n'est ni de gauche, ni de droite. Donc ce sont des recettes. J'ai dit, il y a des choses qui sont faites, mais qui demandent d'être améliorées. Et d'autres qui ne sont pas du tout faites, parce que nous avons ici, il y a tout un ministère de l'industrie. La politique industrielle, comme vous l'avez dit, je suis passé dernièrement, Javier Bonina, je suis passé à l'unité industrielle, j'étais vraiment horrifié parce que j'ai vu à la place des usines, il y a maintenant des concessions, des maisons, des églises et tout ça. Vraiment, j'ai l'impression qu'il n'y a plus d'industrie en République démocratique du Congo. Alors comment faire? Parce que sans industrie, il n'y a pas de travail, il n'y a rien. Est-ce qu'on peut un jour faire revivre ce secteur-là vraiment de l'industrie en République démocratique? Les choses sont possibles, mais on a même plus de zones industrielles ici. Non, il n'y en a pas. Vous savez, depuis Beach jusqu'à Maloku, il n'y a plus rien. Le Belge, tel qu'il nous a laissé, toute cette zone, c'était une zone industrielle. Et parfois, les gens ne comprennent pas pourquoi une zone industrielle. Une zone, vous savez, dans la production, il y a un élément qui rentre dans la structure de coûts, dans la composition de coûts, c'est les coûts de transport. Et mettre toutes les industries dans une même zone, les rapprocher, c'est rapprocher les fournisseurs des acquéreurs. Donc, étant tous proches, ça diminue les coûts de production et ça permet au prix d'atterrir sur le marché avec des prix compétitifs. Et ça aurait pu permettre même aux entreprises congolaises de pouvoir exporter en étant compétitives. Mais aujourd'hui, tout ça n'existe plus. Ça a été balayé. Je disais tout à l'heure, là où il y avait des industries, il y a maintenant des églises. Pourtant, il y avait même une électrification adaptée, des caniveaux pour l'évacuation adaptée. C'était à côté du fleuve. Et ces industries, il y avait même un chemin de fer qui était prévu. Tout ça, c'était pour la logistique. Aujourd'hui, rien de pensé. Nous n'avons plus de zones industrielles. Donc, comme pour affirmer ce que vous venez de dire, il nous faut une politique industrielle. Et ça se voit. Entrez dans nos supermarchés, regardez sur les étalages, cherchez les made in RDC. Ça n'existe pas. Nous importons le dentifrice, nous importons le cirage, nous importons du sel. Malgré les 40 km de côte océanique, nous n'avons pas d'industrie salière. Nous importons presque tout. Aujourd'hui, je sais que cette rentrée scolaire, il y a eu 31 millions d'élèves qui ont assuré leur entrée. Est-ce que nous avons pensé financer, c'est-à-dire l'État, appeler les Congolais qui veulent œuvrer dans ce domaine? Écoutez, nous consommons les tissus pour habiller nos élèves. Nous consommons le pantalon ou jupe bleue avec la blouse ou chemise blanche. Mais réfléchissons, est-ce que nous ne pouvons pas, nous,
petit à petit remplacer l'importation par une production locale. Qu'est-ce que nous pouvons faire en termes de formation, en termes de moyens? Et réfléchir pour pouvoir corriger cette situation. Mais non, nous continuons. Moi, j'ai été au Maroc. La tenue textile, ouh là là, les textiles, c'est développé. C'est développé mais au Maroc. Ils sont sûrs. C'est un pays désertique. Qu'est-ce que le Maroc peut faire et que potentiellement, nous avons des insuffisances? Rien du tout. Dans ce pays désertique, la tenue portée par la force armée royale, c'est produit, fabriqué par le Maroc. La tenue portée par la police marocaine, c'est fabriqué et distribué par le Maroc, et ainsi de suite. Mais ici, chez nous... Même chez nous, nos tenues militaires proviennent d'ailleurs. Ça vient de l'extérieur. C'est scandaleux. Moi, je ne sais pas par quelle magie on veut créer des emplois et par quel mystère on va parvenir à la création de cette classe moyenne. En tout cas, je ne vois pas. S'il y a un économiste qui pense que je suis en train de me tromper, j'aimerais bien qu'il vienne sur ce plateau et qu'il démantèle ce que je suis en train d'exposer comme démarche scientifique. Oh là là. Donc, le président l'a dit aussi, Janvier Bonina, nous devons, il faut avoir la revanche du sous-sol par rapport au sol, donc la politique agricole. Oui. Mais là, c'est encore vraiment, j'ai l'impression, c'est un des 7 travaux de Titan. On ne comprend pas très bien. On a, vous avez dit, beaucoup de milliers et des milliers de terres arables, mais on ne produit pas, on ne consomme que tout ce qui vient de l'extérieur. Là aussi, merci madame de préciser cela, au niveau de la volonté. Les 7 travaux d'Hercule, voilà. Au niveau de la vision, moi, en tout cas, ce que demande le chef de l'État, moi, je suis fan number one. Création de classe moyenne, bien vu. Mais comment y parvenir? Là, il y a un problème. Au niveau de l'agriculture, la revanche du sol sur le sous-sol, le président l'a bien dit. Mais j'ai comme l'impression que le gouvernement n'arrive pas à capter le message et à mettre en place des plans stratégiques pour atteindre ses objectifs. Vous vous rendez compte, un pays aussi vaste que le Congo, que nous subissions les chantages de la Zambie parce que si nous ne faisons pas telle ou telle chose, ils bloquent les frontières et les prix du maïs passent de 25 000 à 100 000 en 2023. C'est tout simplement inacceptable. Comment voulez-vous que nous nous fassions respecter par nos voisins s'ils voient en nous l'érection de toutes les insuffisances du monde? Ce n'est pas possible. Un pays, un sol arabe, il faut une politique, madame. Au niveau de Grand Katanga, on sait que là-bas, on peut booster la culture du maïs. On le fait. Au niveau de Bumba et les alentours, au niveau de Maniema, de Paul, pour les raies, on le fait. On met en place des mécanismes, on met des institutions de crédit sur ce type d'accompagner et d'organiser ces agriculteurs. Tout passe par la formation. Madame, moi je crois à la formation. Je vous dis, avant, je donne une anecdote. Je conduisais. J'ai toujours conduit, j'ai conduit. J'étais persuadé de bien conduire. Et une fois, je me suis fait arrêter par la police. Là, c'était à Paris. On m'arrache le permis. J'étais révolté. Je dis, mais je suis un bon conducteur. Ça fait 5 ans que je conduis sans accident. Les policiers m'ont dit, non, monsieur, vous devez passer par l'auto-école, passer votre permis congolais, on n'en veut pas. Oh. J'étais révolté, mais j'ai dit, bon, c'est la loi, je vais quand même passer par là. Lorsque je suis arrivé à l'auto-école et qu'on a fait la projection, premier test sur 40 questions, j'avais 4. Ouh là là. Vous voyez l'importance de la formation. La formation, c'est incontournable. On peut beau être un bon cuisinier, mais on ne va pas faire les choses comme celui qui est passé par l'hôtellerie. Parce qu'il va maîtriser les calories, il va maîtriser les protéines, il va maîtriser les lipides. Il y a toujours des choses qui nous échappent. Donc, au niveau de l'agriculture, si on veut bien faire les choses, il faut bien former l'homme congolais et puis cartographier, savoir que là, nous allons faire ceci, ici, nous allons développer cela pour permettre qu'il y ait synergie entre des groupes homogènes d'agriculteurs. Un exemple. Vers l'Est, je sais que nos compatriotes là-bas, ils sont forts dans l'élevage bovin. Mais là aussi, il y a des richesses. Ça n'arrive pas ici. Comment, ça n'arrive pas. Comment les pommes de terre, la viande bovine, tout ça, à Kinshasa, on n'en a pas? Ça n'arrive pas. On n'a pas de poisson qui s'en gagne. Rien ne nous arrive. Qu'est-ce qui se passe? C'est là que je dis, l'État, c'est lui le pourvoyeur des fondamentaux. Dans les fondamentaux, c'est quoi? J'ai dit formation. Il faut une bonne administration qui soit capable de nous accompagner. Il faut des infrastructures. Il faut développer les transports. Bien entendu, on ne demande pas au président Tshisekedi de tout faire en 5 ans. Encore que, même là, sur
le développement des 145 territoires, il y a à boire et à manger, parce que qui trop embrasse, mal étreint. Il faut aller secteur par secteur pour que les choses soient bien faites. En tout cas, c'est mon point de vue. Mais regardez ce grand boulevard naturel dont nous disposons, qui s'appelle le fleuve Congo. Regardez les affluents. Ils ne sont pas mis à profit. Ce sont des routes, en fait. Hein? Bien sûr. Ce sont vraiment des routes. Hein? Bien sûr, sur le plan économique, le ministre des Transports est en train de me voir, de regarder. Le fleuve tracte des tonnages élevés à bas coût. Donc, c'est plus intéressant d'entretenir un canal fluvial. C'est plus intéressant économiquement plutôt qu'une route. Je ne dis pas de mettre de côté les routes, mais le fleuve et ses arbres. Les réseaux hydrographiques doivent être bien entretenus. C'est magnifique, les réseaux congolais. Hein? Ça fait d'abord la beauté du pays. Oui. Et un jeune, parce qu'il était plus jeune que moi, c'est lui qui a dit, sans le chemin de fer, le Congo ne vaut pas un pays. Lui, il l'a dit à cette époque-là, mais nous, en 2023, est-ce que nous devons le répéter à Samaloukoun des Océans? Connaissez-vous les chantiers de construction des chemins de fer à travers la République, qui sont ces chantiers qui sont en création? Moi, je ne sais pas. Pourtant, nous disposons d'une main-d'œuvre bon marché, en parlant de main-d'œuvre, parce que j'ai lu tous les sujets, parce que 45 minutes se peut. On assiste tous ces délinquants-là qui nous embêtent. Là. Voilà la main-d'œuvre gratuite, les Koulouna là. Parce que maintenant, ils ont peur. Ah, ceux qui t'obomi, droit de l'homme, barre s'élever. Non, on ne demande pas de tuer. Tous ces jeunes-là que vous attrapez, mais tout font la chemin de fer, Kinshasa, Isiro. C'est la main-d'œuvre gratuite. On va le mettre au profit des travaux communautaires et qui participent ainsi au développement du pays. Voilà, je lance comme ça des idées. Il y en a déjà par rapport à. Au service national aussi, hein? Donc le service national, les emplois aussi par rapport à, oui, à mais, beaucoup de choses. Hein? Mais ils sont toujours là. Il faut continuer, il ne faut pas se lasser, parce que nous avons besoin, nous les honnêtes citoyens, de vivre en paix et de pouvoir faire ce que nous sommes en train de dire ici. Donc, en parlant de la politique industrielle, moi, c'est toujours Julien Palou, je ne sais pas, hein, le ministre de l'Industrie. En tout cas, c'est timide, parce que quand les choses ont bougé ici à propos de Covid, on a senti que le Congo s'était réveillé pour lutter contre le Covid ou la Covid, comme on veut. Mais sur le plan de l'industrie, moi, je n'entends rien du tout. Je sens pas les choses bouger. Sur le plan de l'agriculture, je ne sens pas les choses bouger. Est-ce que c'est fait volontairement ou c'est peut-être reporté pour plus tard, mais nous aimerions que les choses soient faites. Et en parlant de ça, parce qu'il y a un des aspects, faire quelque chose, c'est bien, mais après, quelqu'un me posait la question, comment le financer? Si on veut que les jeunes Congolais deviennent des industriels, comment les financer? C'est une question intéressante, mais à ce niveau, l'État, avec sa politique budgétaire, est appelé à faire des arbitrages. Ici, je dirais, il y a la Banque centrale qui dispose d'un outil efficace. Pour les économistes, ils le savent bien, le taux directeur. Avec le taux directeur, si l'État veut rendre le crédit moins cher pour les opérateurs économiques, il sait comment jouer sur ce levier-là. Et c'est un aspect important, parce que l'accès au crédit en RDC, c'est très compliqué. C'est comme ça que vous voyez des expatriés qui peuvent se faciliter les financements dans l'exercice de leurs activités, ils sont en train de gagner du terrain de plus en plus. Si nous restons statiques, nous risquons d'être ouvriers, esclaves chez nous-mêmes, esclaves au sens économique. Nous devons réagir. Donc, il faudrait à ce sujet, moi je pense, que l'État puisse disposer d'un fonds de garantie pour les jeunes créateurs, les jeunes entrepreneurs. Parce qu'il y a des Congolais qui veulent oser. Il y a le FPI déjà, M. Jean-Philippe Bonima. Il y a le FPI qui existe. Mais qui se comporte comment? Vous savez comment ça s'est passé avec le FPI. Précédemment, ce sont des politiciens, ce sont des députés, des ministres, pour leur deuxième femme, pour leurs parents qui ont bénéficié des crédits. Et il n'a pas fait son boulot, le FPI n'a pas fait le boulot auquel on l'attendait. J'espère qu'avec le régime Tshisekedi, les tirs seront rectifiés. Mais moi, si le FPI fait bien son boulot, moi, j'irai voir ça aux étalages de supermarché, comme je vous ai dit. J'aimerais trouver la tomate made in Congo Central, bon, DRC. Je sais que ça, c'est le financement seul, des FPI. Il n'y a qu'un seul magasin où on retrouve un peu, je ne peux pas faire la publicité, mais c'est sur Willery, c'est peut-être le seul magasin où on trouve un peu de produits congolais. Mais nous prenons un peu
le cadre des services aussi. Vous avez parlé de l'industrialisation, des petites et moyennes entreprises, mais les jeunes Congolais sont butés à un problème sérieux, Janvier Bonina, ainsi. Mm-hmm. Les prêts dans les banques, on nous refuse carrément les prêts. Quand un Congolais dehors se présente, on lui demande tellement de documents que ça... On lui demande même des fiches parcellaires. Voilà, les fiches parcellaires. Des certificats d'enregistrement. Tout, donc le Congolais... C'est le serpent qui s'est mort là. Donc c'est impossible à un Congolais d'avoir un prêt facilement ici. Voilà pourquoi j'ai dit là, nous sollicitons le regard responsable de nos politiques. Parce qu'il n'y a que le politique. Parce que le terme là, politique, j'aimerais qu'on comprenne bien. Parce que quand on dit politique... C'est tout un... Ça veut dire ensemble de mécanismes et des règles mises en place pour atteindre un objectif ou empêcher que quelque chose ne se produise. Mmh. Alors, il y a cette responsabilité. Nous avons cette difficulté, vous venez de les citer, c'est l'accès au crédit. On peut avoir son projet. Moi-même, j'en ai été victime. J'ai essayé une fois ici pour un petit projet. J'ai mis 3 mois sans pouvoir mobiliser les crédits auprès des banques congolaises. J'étais obligé de recourir à une banque française qui m'a financé à 8000 km sans difficulté. Donc, c'est un problème de culture, mais aussi un problème de volonté politique. Parce que les autorités monétaires, ça reste quand même... Il y a la Banque centrale, et la Banque centrale, ça fait partie de ceux qui disposent de tableaux de bord pour pouvoir orienter l'économie de ces pays. Sur ce plan, parce que les banques commerciales et les autres institutions financières dépendent de la volonté de la Banque centrale. La Banque centrale a la possibilité de donner des orientations et de sanctionner celles qui... ne répondent pas à ces obligations. Donc, s'il y a un laisser-aller dans les chefs des banques, commerciales, les Congolais seront toujours butés. Et quand je suis allé personnellement solliciter le crédit pour un projet agricole, ils ont dit, non, là, on ne regarde même pas les dossiers, monsieur, ce n'est pas la peine. Oh. Excusez-moi. Oui, je ne cite pas les noms de la banque, mais ils m'ont dit, non, tout ce qui est projet agricole, nous ne finançons pas. Et comment voulez-vous, dans un pays de près de 100 millions d'habitants, si pas plus, si les banques balaient d'un revers de main un montage des dossiers qui a trait au secteur agricole, comment voulez-vous que nous puissions avancer? Donc là, il est demandé au gouvernement, que ce soit le gouvernement central, et aussi les différents gouvernements provinciaux, d'avoir un regard particulier. Nous devons tous réfléchir là-dessus parce qu'il y a un danger qui nous guette. Regardez la situation, ce qui se passe à l'Est. Vous savez que même dans ce combat que nous avons avec nos voisins de l'Est, Rwanda, pour ne pas le citer, mais si demain le Rwanda décide de fermer sa frontière et de ne pas envoyer vers nous, de ne pas exporter ses produits manufacturiers, vous savez que nous allons souffrir. Mais on n'anticipe même pas sur ça. On n'anticipe pas. Aller là-bas, aller dans des hôtels, séjourner, vous verrez, made in Rwanda, made in Uganda. Si nous ne prenons pas le temps de permettre l'éclore de l'industrie manufacturière. Comment voulez-vous que nous puissions demain faire face à toutes ces pressions qui nous guettent de part et d'autre? Je pense que nous devons anticiper. C'est ce qui nous manque, on n'anticipe jamais, nous ne faisons que subir. Nous allons parler un peu de la téléphonie, de services comme le net et tout ça. En tout cas, en République démocratique du Congo, M. Janvier Bonina, vous qui venez de l'extérieur, vous savez que le net ici en République démocratique du Congo aussi, le plus cher, parmi les plus chers et les plus nuls, en tout cas en qualité. Oui. Mais, et pourtant, on oublie qu'aujourd'hui, beaucoup des entreprises fonctionnent qu'avec le net. Grâce au net. Alors, comment faire? Est-ce qu'on nous arnaque? On ne comprend pas très bien aujourd'hui. Est-ce qu'on a réellement, vous qui vivez à l'extérieur, est-ce qu'on a réellement cette 4G dont on nous parle vraiment? La qualité, l'argent, le coût, comment vous trouvez par rapport cas, à de là où vous venez? Ça coûte trop cher. Et ici, vous savez, ailleurs, ils ont la possibilité d'avoir des organisations de protection des consommateurs très puissantes et ces organisations réagissent, font pression. C'est ça la vraie société civile. Ce n'est pas chez nous ici. Ici, chez nous, la société civile, c'est l'antichambre de la politique. On vient dans la société civile parce qu'on veut préparer sa carrière politique. D'ailleurs, les corporations, les organisations font leur travail. Pour ce qui nous concerne, en tout cas l'État, quand on regarde combien gagne le Congolais par mois, il y a urgence. La communication coûte très cher. Et lorsqu'on sait aujourd'hui, dans les échanges mondiaux, dans les échanges interrégionaux, dans les échanges sous-régionaux, la place
que prend l'Internet et la communication, on comprend que là-dessus, ça demande une discussion sérieuse avec ces entreprises pour qu'ils se mettent au diapason de l'homme congolais. Aujourd'hui, l'Internet et la communication, ça coûte extrêmement cher. Et il faut mettre la main là-dessus parce qu'en 2023, dans le cadre de la globalisation et de la mondialisation, la communication, c'est-à-dire les nets, les e-commerce, tout passe par là. C'est difficile même de faire le e-commerce, de faire de live ici. C'est difficile. C'est très difficile parce que ça coûte cher. Je pense que là, le ministre de NTIC ou de numérique, je ne sais pas, c'est du ressort de quel portefeuille, mais je pense qu'ils sont en train de nous suivre. Là-dessus, il y a un cri d'alarme. Quand vous interrogez chaque Congolais, vous sentez que nous sommes asphyxiés. Et si rien n'est fait, je pense que c'est encouragé par ce système oligopolistique. L'oligopole, c'est-à-dire un marché peu concurrentiel où les acteurs peuvent s'entendre pour mettre de côté la concurrence. Et cette entente ne profite pas du tout aux consommateurs. Et il faudrait que l'État se mette autour d'une table avec ses opérateurs économiques pour voir de près comment faire quelque chose pour que et les opérateurs économiques, mais aussi les ménages congolais, puissent bénéficier d'une aide dans les conditions au moins équivalentes que les autres surtout populations la qualité, des pays d'ailleurs. En tout cas, la qualité, coût-prix, c'est vraiment... Mais ouvrons un peu le débat. Beaucoup disent que les Européens ou les Occidentaux en général ne veulent pas du décollage économique africain. Beaucoup, j'ai lu le bouquet, on a dit que l'Afrique était déjà mal partie et tout ça. Vous qui sillonnez le deux mondes, est-ce que les Occidentaux ont-ils une part de responsabilité dans l'échec du décollage économique africain? Oui et non. Oui et non, parce que là aussi, ça peut faire l'objet de toute une émission. Oui, surtout en ce qui concerne le Congo, nous savons que la zone sensible de l'Est avec des matières stratégiques qui intéressent les multinationales, c'est un enjeu très particulier. Mais moi, je voudrais dire, si on veut planter une bananeraie dans les Mayombe et mettre en place une usine pour transformer ces bananes en jus conditionné en carton et les distribuer aux Congolais, les Occidentaux ne sont pas contre ça. Il y a des secteurs hautement sensibles où il y a un regard, mais il faut dire, dans ce regard, quand vous prenez les secteurs miniers, il faut le dire, dans les secteurs miniers, je crois que là... les Congolais, lors des négociations, il faut le dire, dans les régimes précédents, je n'ai pas regardé de très près avec le gouvernement Fatshi, il y a eu des choses que nous avons faites que nous n'aurions pas dû, même si la situation était difficile, mais il fallait bien négocier les accords avec ces multinationales. Et nous, nous nous mettons dans une posture de celui qui livre des carrés miniers et qui n'attend qu'on lui donne ce qu'il va mettre dans quelque sa caisse. Assis, ouais. Voilà, c'est tout. Or, moi j'ai dit, en 2023, lorsqu'on analyse, on regarde ce qui se passe au Brésil, au Pérou, en Indonésie, qu'est-ce qui se passe? L'État prend part dans la participation du capital de ses filiales qui exercent dans l'exploitation minière. Le Congo ne peut pas venir simplement dire, voilà, nous vous offrons des droits et à la fin, vous nous donnez des royalties. Non, nous devons être copropriétaires avec ces différents multinationales dans l'érection de... Et ils viennent avec ce qu'on appelle IED, investissement direct à l'étranger. Nous, l'État congolais amène sa participation. Au début, ça peut être en nature, mais progressivement, nous prenons des parts. L'objectif, c'est chaque fois qu'on prend des grandes décisions dans ces filières, nous siégeons au sein du conseil d'administration. Nous sommes co-détenteurs de la politique fixée par ces entreprises. Or, aujourd'hui, telles que les choses se passent, quand ces filiales prennent des décisions, décident sur la politique minière, nous sommes étrangers dans notre propre pays. Voilà. Je pense que ceci mérite correction. Il faudrait qu'à un moment donné, nous faisions les choses beaucoup mieux que ce qui n'a été fait jusqu'ici. Donc, l'Afrique elle-même est aussi responsable de sa propre situation. Bien sûr. Mais il y a aussi une autre question. Je sais qu'on nous dit souvent que l'Afrique anglophone se porte mieux que l'Afrique francophone, que l'Afrique francophone est beaucoup plus bureaucratique, trop de diplômes pour rien et tout ça. Mais les anglophones, eux, semblent mieux émerger. Est-ce que c'est vrai? C'est là qu'on parle de la nécessité de revoir notre formation. Les anglophones ne sont pas formés comme nous.
Nous sommes dans la théorie, nous sommes baignés dans la théorie du début jusqu'à la fin. Alors que quand vous approchez les anglophones, d'abord, durant leur cursus, il y a des formations en alternance. Très souvent, ils mettent déjà un pied dans le monde du travail. Ils explorent, ils voient ce qui se passe. Donc, ils peuvent déjà parfois commencer à travailler avant d'avoir fini les études. Mais chez nous, on entre tête droit dans les syllabus. Et quand on est docteur, après, en ce moment-là, on vient se poser la question sur l'emploi. Ça, il faudrait déjà commencer à rectifier cela. Il faut corriger. Je crois que moi, personnellement, si vous avez vu mon cursus, quand j'ai fini mes études, j'ai eu à aller faire une formation dans le manuel. Donc, bien qu'étant économiste, je suis décorateur d'intérieur dans le bâtiment. Donc, vous voyez, c'est un virage, un revirement à 180 degrés. 180 degrés. Voilà, je pense qu'il faudrait commencer déjà à revoir au niveau de notre cursus comment former l'homme congolais. Parce que si nous commençons à former les agriculteurs, ils vont aussi commencer avec ce système que moi je pense être efficace. Il faut qu'ils mettent les pieds dans le champ avant la fin de son cursus. Comme ça, quand il arrive au bout, il sait être opérationnel, il sait produire. Et déjà, il faudrait aussi voir la compatibilité entre les cursus universitaires et les profils demandés par les entreprises. Et les réalités sur le terrain, c'est ça aussi le grand problème avec nous. Nous sommes ce grand pays. On a parlé de la compétitivité tout à l'heure. Si nous voulons être attractifs, aujourd'hui, nous disons, bon, nous sommes un pays grand, nous consommons les iPhones, nous consommons... Mais on n'en produit même pas. Nous avons le cobalt, nous avons tout. Nous avons tout. Tous ceux qui participent à la création, à la fabrication de ces téléphones, mais on n'a aucune usine, même d'assemblage. Et nous devons agir. Et si on veut agir, nous devons commencer par former les jeunes Congolais dans le métier d'électronique. Parce qu'ils ont de l'intelligence. Nous avons été ailleurs, on n'a pas été médiocre. On n'a pas été mauvais. Donc, les Congolais ont ce potentiel. Il faut déjà commencer à former les Congolais dans le métier d'électronique. Comme ça, demain, quand vous approchez ces multinationales pour leur dire « Venez chez nous au Congo investir », mais il y aura quand même une main-d'œuvre qualifiée. Parce que sans cela, nous ne pouvons rien faire. Et ce qu'ont fait les Chinois mérite d'être dupliqué. Tout simplement parce qu'on ne réinvente pas la roue. Nous allons terminer quand même par un dossier. C'est vrai que la politique culturelle, on n'en parle pas beaucoup aussi. Mais on nous a dit que, surtout chez nous, en République démocratique du Congo, on néglige beaucoup la culture. Parce que la culture, ce n'est pas seulement la musique. Il y a l'art, il y a la cuisine, il y a tout, il y a la couture, il y a tout. On a dit, on a tout mis de côté. Mais en France, je vois comment la haute couture engrange des millions, la musique engrange des millions. Tout à fait. Pourquoi chez nous, la culture est-elle parent pauvre, même du gouvernement, même de tout? Pourquoi on néglige tellement la culture, Jean-Claude Bonina? Écoutez, là, ça tombe bien parce que moi, le 27 mars dernier, j'ai eu accompagné un groupe d'artistes quinois lorsqu'ils ont fêté la journée mondiale de l'art. Parce que je suis particulièrement sensible à cela. Parce qu'un peuple sans culture, c'est un peuple sans âme. Sans âme. Donc la culture est d'une richesse. C'est l'âme d'un peuple. C'est l'âme d'un peuple. Et nous, avec cette multi... Et, je dirais 450 ethnies, tribus, c'est une richesse énorme. Commensurable. C'est une richesse énorme. Moi, je dirais, je suis même pour le tribalisme culturel, pas politique, culturel, parce que nous devons le conserver. Quand je suis en face d'un compatriote qui est Musonge, l'autre qui est Ndande, celui-là qui est Kuba, et cette diversité de langues, c'est ça qui fait la puissance et la force de notre pays. Mais malheureusement, nous n'en sommes pas conscients. Et je pense, cette inconscience, ça ne date pas d'aujourd'hui, madame. Ça date de 1484, depuis la conversion de Nzinga Nkuvu. Quand les Occidentaux sont venus nous déconnecter de notre tradition, je pense que notre fièvre vient de là. Et je crois fort en la tradition. Et je crois, parce que la tradition est dépositaire de notre culture. À ce stade-là, je pense qu'il y a... Il y a urgence que nous puissions accompagner, nous puissions fructifier, nous puissions optimiser notre richesse culturelle parce que notre identité en dépend.
Ok. Merci, M. Janvier Bonina. Merci, le temps qui nous a été parti. On n'a pas vu le temps passer, mais voilà. C'est ça la télévision. Le temps qui nous a été imparti est terminé. Je pense que ce ne sera pas la dernière fois que vous venez chez nous. Voilà, c'est aussi un autre aspect que nous devons explorer de temps en temps. Toute cette politique, tout est question de politique, M. Bonina l'a dit, tout est question de politique. Est-ce qu'en République démocratique du Congo, avons-nous une vision de toutes ces politiques? On ne sait pas. Et beaucoup disent que nous naviguons de foi à vue parce qu'à en entendre, on a l'impression que vraiment, on se lève le matin, on dort, on se lève le matin sans savoir comment ce sera le Congo dans 10, dans 20, dans 30 ans. J'espère que vraiment que le nouveau gouvernement et même ceux qui viendront après auront vraiment balisé le jalon pour les générations futures. Merci M. Bonina. Merci Madame. Merci à vous et retrouvez-nous sur la Lyon Télévision officielle sur YouTube, sur Nyota TV, Perfect TV et Central TV. Nos chaînes partenaires et nous nous retrouverons très 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 bientôt.